Bon, bonjour tout le monde. Alors d'abord, je vais faire une petite vidéo pour la famille Saint-Sever, ils vont se reconnaître. Alors l'annonce qu'il y a sur le bon coin, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. C'est un cylindre culasse de Doppler. Voilà. Il est neuf, il a déjà même été monté. Parce que moi, je me suis commandé un kit 50. Donc Doppler, j'en ai pas utilisé. Donc il y a le vilebrequin avec. Et le moteur, il est là. Là-dedans. Vous voyez? Vous voyez pas. Il est là-dedans. La culasse est là. Avec le piston. C'est la culasse Doppler. Et le piston léger qui va avec. Voilà. Donc avant d'espionner les gens, renseignez-vous un peu mieux, quoi. Ça serait bien. Après j'ai acheté ceci là, j'en suis servi hier, j'ai testé, ça marche nickel. Hein. Pour tous ceux qui disent le contraire, eh bien, allez où, voilà. Hein. Alors c'est un poste à souder Domark, pardon, 130, oui. Parce que arc électrique, ils sont pas fait chier. Alors c'est ça en fait. Enfin, je vous montre. Voilà. Ici là, c'est pour régler l'intensité, vous voyez. Suivant les mèches que vous prenez. Alors, pour faire simple, je vous montre. Alors moi, ce que j'avais à souder, c'était un support moteur. Donc c'est entre vous voyez, 1 mm 5 et 3 mm. Donc il fallait du 2, quoi. Et après, vu que j'ai pris du 3-2, 3-2 c'est là, c'est entre 5 et 8 mm, vous voyez. Et en face, vous avez l'ampérage. Donc eux ils mettent 55. Donc c'est ici, on est d'accord. Le souci c'est que quand vous le mettez à 55, j'ai testé d'abord, j'ai fait un test là-dessus. Vous voyez sur l'échappement. Et ça fait plein de gouttelettes comme ça. Donc c'est très moche, on est d'accord. Donc ça va falloir tout ça que je le lime. La meuleuse, hein, bien sûr. Donc mon conseil, quand vous soudez une petite pièce en fait, là vous avez la molette ici. Alors cette molette, ça sert à régler, ah, c'est pas pratique, la réglette qui est ici là, vous voyez, je la tourne, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, ça bouge. Donc eux ils disaient le mettre 55, moi je l'ai mis à, je vous montre, faut tourner, hein. Ah. Quand vous mettez ici là, ça fait une soudure nickel. Donc voilà, donc vous pouvez moi je l'ai branché sur une rallonge de une enrouleur là, ça sert pour le jardin, enfin tout ça, quoi. Donc une fois que vous l'avez branché, ça c'est la masse. Alors moi je l'ai branché là au pot là, vu que je soudais là-bas. Faut que ce soit propre, hein, la pièce où vous branchez, donc vous branchez ça, quoi. Là-dessus, ici là, vous branchez la mèche. Côté parce que je sais qu'il y en a qui savent pas, côté métal, voilà, ça sert à souder, quoi. Voilà. Ensuite vous l'allumez et en fait il y a un ventilo qui va se lancer. Vous attendez que le ventilo se cale et c'est bon, vous pouvez commencer à souder, quoi. Voilà. Alors ça je l'ai payé 50 balles et avec ça il y a la brosse métallique et le marteau pour enlever le comment ça s'appelle déjà? C'est pas le laineux, c'est le lait, quoi, en fait. Parce que si vous voulez, quand vous allez souder, ça va faire un truc comme ça, vous voyez, un peu noir. Vous attendez que ça refroidisse. Et vous tapez comme ça va l'enlever et après, bon, ça devient. Voilà. Bon, ça, faut que je le refasse parce que c'est moche, quoi. Voilà. Donc tout ça, là, 50 balles, j'ai payé. Les mèches, c'est 2 euros. Enfin, la boîte. Hein. Après, j'ai commandé ça avec. Forcément. Hein. Alors le masque, je l'ai payé, c'est chez Leroy Merlin, je l'ai payé 13 balles. Voilà, c'est un masque basique. Mais en fait, quand vous le recevez, vous avez ça. Les attaches derrière à monter. Et vous avez deux vitres. Vous avez une vitre transparente et une vitre sombre. Pour pas vous niquer les yeux, quoi. Alors ce qu'il faut faire, c'est mettre la vitre transparente en premier et la vitre sombre l'autre côté. Et de remettre
vous allez voir. Vous voyez, vous avez un encadrement en plastoc là. Ça, c'est à mettre quoi. Donc voilà, ça c'est bon. Après, j'ai commandé comment ça s'appelle? Je vais vous montrer ça d'abord. Après, alors c'est Turner, hein. Pour ça je m'en fous. Hein. Ça suffira largement. Parce que j'ai à faire avec. Alors, voilà, faut que je dévisse. On va le dévisser un peu. Voilà, c'est un arrache volant. Alors c'est du 19 par 100, c'est pas, et ça va sur AM6, TZR, tout ce que vous voulez, et Derby, toute année confondue, hein. Ça va de soi. Donc ça c'est bon. Voilà. Chez Maxi Pièce, hein. Je vous conseille vivement d'aller là-bas, parce que regardez, pour je crois que c'est 10 balles, mais une misère quoi. Vous avez la pince à cire clips et vous avez les 4 trucs avec. Vous voyez, 1, 2, 3. Et la quatrième là. Voilà, c'est ça. J'ai les 4 là, vous voyez. Donc pour 10 balles, franchement, voilà. Ça le fait. J'ai commandé aussi le bocal. Je vais rouler au mélange. C'est un voca. Voilà, parfait. Pas cher, et puis ça suffit largement pour ce qu'il y a à faire. Et je vais vous montrer ça aussi pour ceux que ça intéresse, les autres bobés forcément vous allez pas y aller, hein, ça va de soi. Alors le premier là, c'est jusqu'au, voyez, 29 février 2020, et l'autre non c'est pareil, je prends le journée. Donc pour ceux qui veulent des codes promo, voilà, hein, c'est celui là Et ça vous fait moins 5% sur votre commande, donc c'est pas négligeable. Voilà, et voilà, alors je vais vous montrer ça maintenant. Voilà, je vais faire un montage à blanc tout à l'heure pour voir les réglages, tout ça qu'il faut faire. J'ai reçu ça, petit voca. Je voulais un Artec mais il n'y en avait plus, donc bon, c'est pas grave, il est pas mal. Il y a un joint papier avec, où c'est que je l'ai mis, je sais même plus. En fait, c'est un joint papier qu'il faut que vous découpiez vous-même, quoi. Donc, vous pouvez vous en servir plusieurs fois, quoi. Enfin, vous pouvez faire plusieurs joints avec, quoi. Donc voilà, pas mal. Polini, 50. Donc, oula. Je l'ai pas calé, c'est pour ça. Donc, rien à dire là-dessus. Ça va marcher. D'où mon annonce sur le Bon Coin, c'est pour ça que je vends le cylindre Doppler. Parce que en matière de sienne, j'ai plus confiance chez eux. Quoi. Bon, bref, la pipe Polini en rigide, qui est pas mal, elle va bien faire son taf elle aussi. Et le joli petit carbu en 19, c'est du PHBG. Et ce qui est bien chez eux, j'ai payé 72 euros chez Maxi Pièce d'ailleurs. J'ai pas de sponsor hein, chez eux, je vous le dis juste parce que voilà, c'est super intéressant d'aller chez eux. Quoi. Voilà. Et la tulipe en fait, voilà, la tulipe elle se dévisse, vous voyez. C'est pour empêcher les vibrations du carburateur. Quoi. Donc voilà quoi. Là, le gicleur d'origine, c'est un gicleur principal, c'est un 75. Et le starter, c'est un 32. Donc là. Ouais, oui, pardon, tu vois, ce système j'aime bien, ça se dévisse directement, parce qu'on est en compétition, il n'y a pas de vis, voilà quoi. Le starter, oh, j'ai encore un peu de mal avec, hein. Je suis pas habitué. Voilà, faut le soulever, vous voyez, là il est enclenché. Pour les enclencher, une fois que la moto elle est chaude, hop, il se enclenche tout seul. Voilà, et ça, je vais vous montrer après sur la machine ce que j'ai fait. Voilà. Ce câble là en fait, c'est attends, on va pas plus bas, voyez, ça oublie pas là, mais ouais. Prise rapide. Et là ce qu'il faut que je voie c'est ça, parce que comme je vous avais dit pour ceux qui ont suivi, l'axe qui est ici là en fait c'est un axe de super motard, donc ce que je vais faire c'est, je pense, l'adapter et voilà. Bon, bien sûr, ce, à plus tard, hein. Et puis bon dimanche.